Transition cash des mentalités. Agréable dimanche à tous en ce 1er octobre 2023. Les données à caractère personnel, vous savez, c'est très important. Et le Gabon s'est muni d'une entité qui gère les données à caractère personnel de tout un chacun. Ils ont prêté serment, ils sont installés, ils sont derrière l'hôtel Radisson Blu au quartier Kalikak. De plus en plus, on constate qu'il y a un lynchage dans les réseaux sociaux de certaines personnes et donc des données à caractère personnel. Il faut donc arrêter tout ça. Vous êtes chez vous, imaginez, quelqu'un a construit un immeuble de 10 étages dans une cité où normalement la norme est prescrite. On ne devait pas avoir des immeubles dans certaines zones de Libreville, mais on était comme là où on était dans la même sauce. Et puis on vous filme, vous êtes en petite culotte, en bikini, en train de faire les bisous avec madame. Parce que, écoutez, vous ne vous entendez pas, ils diffusent tout sur le net. Il faut protéger les données à caractère personnel des Gabonais. Il y a un lynchage dans les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il y a une cellule d'éveil au Gabon, un peu comme on le voit dans d'autres pays? Je ne pense pas. Parce que cette cellule d'éveil permettra à la commission de la protection des données à caractère personnel d'agir très vite lorsque quelqu'un veut nuire à autrui. Si l'image ou la vidéo est passée sur les réseaux sociaux, aussitôt on coupe. Et puis on trace. C'est un peu comme on l'a vu, je fais cette vidéo avec cette fake news, cette information selon laquelle, oui, la présidence de la République recrute. Non, demain on peut voir les images des généraux ou du président de la transition, un peu comme on l'a vu faire le bisou. Bon, c'était le fils de Nzuba, donc la loi Nzuba, comprenez ce que je veux dire. Peut-être qu'il y a des Gabonais qui veulent épouser 2, 3, 4, 5 femmes, ça a leur aise, et à la nouvelle constitution de le mentionner. Donc, il nous faut protéger, sécuriser les données à caractère personnel. Où en est-on au Gabon? Il faut que les militaires voient aussi un peu de ce côté. Il faut un peu les secouer, on dirait qu'ils dorment là-bas. Protégez-nous. Parce que très vite, moi, depuis que je fais mes caches là, il y en a qui disent, oh Chamberlain, on connaît le motel où tu vas souvent les soirs là pour aller te faire masser. Mais moi, je veux pas qu'on me montre en bikini en train de me faire masser. Ce sont mes données à caractère personnel, y compris les bijoux de famille. Donc, on attend cette cellule d'éveil de façon cash.